La saison cinégétique 2016-2017 s'est avérée très difficile pour les chasseurs des Pyrénées-Orientales. En ce qui concerne le petit gibier, même si la chasse au grand gibier qui a pris place semble satisfaisante, la mobilisation pour la défense de notre petite faune de plaine doit rester une priorité. La réflexion est largement entamée sur ce sujet et nous nous sommes entourés de tous les avis d'experts et scientifiques indispensables pour mener une gestion optimisée de ces espèces. Certes, cela demande un engagement de tous les instants et les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des investissements. Mais ne rien faire serait dramatique. Je profite de ce moment officiel pour lancer un appel solennel pour l'arrêt sur certains territoires d'une forme de ségrégation vis-à-vis des chasseurs de petits gibiers. Je le redis, ce type d'attitude n'est pas ma conception du bien vivre ensemble et au nécessaire esprit de solidarité qui doit nous guider. Ce comportement antidémocratique est contraire à l'esprit de la loi Verdeille et à notre schéma départemental de gestion cynégétique que vous avez validé à l'unanimité en Assemblée Générale en 2016. Je rappelle enfin qu'un sociétaire qui s'acquitte de sa carte de sociétaire doit pouvoir chasser toutes les espèces sur son territoire dans le respect, bien sûr, des arrêtés préfectoraux. Si la raréfaction du petit gibier nous inquiète, jamais depuis 40 ans, le sanglier n'aura été si abondant. Veillons à maintenir la population à un niveau acceptable et restons solidaires au message de nos voisins agriculteurs. Je voudrais, avec beaucoup de sincérité, rendre un vibrant hommage à toutes nos équipes pour la pression de chasse que vous avez maintenue avec un prélèvement à mi-saison en augmentation de 30% par rapport à l'année dernière. C'est un engagement humain et financier qui va au-delà de la chasse plaisir et prend tout le sens d'une véritable mission de service public, je tiens à le souligner. Je voudrais ici saluer l'état d'esprit extrêmement constructif qui officie entre les services de l'État et ceux de la Fédération, l'ONCFS et l'ONF bien sûr, sans oublier tout particulièrement ceux de la DTTM, avec lesquels, sous l'égide de leur directeur, M. Francis Charpentier, nous travaillons, pour ainsi dire, au quotidien, en totale transparence et sans aucune ambiguïté. Aujourd'hui, nos compétences et notre connaissance du terrain commencent à être de plus en plus reconnues. J'en veux pour preuve deux dossiers emblématiques qui sont autant de preuves de notre confiance et de reconnaissance. Perpignan Métropole et son président nous ont confié une partie de la gestion du premier PAEN de France, en l'occurrence celui de Canoës. Une volonté également de réaménagement de la zone incendiée cet été génère une réflexion globale en matière de gestion du territoire. Monsieur le député Robert Olive, président de la communauté de communes Roussillon-Conflans, en est, si je peux le qualifier ainsi, le maître d'ouvrage. Il a souhaité nous associer à cet important projet afin de bénéficier de notre approche en cohérence avec les attentes cynégétiques, agronomiques et environnementales. Puissent ces gages de reconnaissance asseoir notre crédibilité dans la défense de certains de nos modes et traditions de chasse, régulièrement attaqués par des associations écologiques qui ne démontrent rien et qui n'ont pas d'autres arguments que celui d'être tout simplement idéologiquement contre la chasse. Nous savons tous que, dans quelque domaine que ce soit, l'excès n'a jamais été une solution. Nous sommes des gens de dialogue et le resteront. Comme dans celui qui est annoncé au niveau national auprès d'utilisateurs de la nature, comme la Fédération nationale de randonnée pédestre, nous en serons le relais au niveau départemental, et la présence de M. Martinez, président départemental, prouve que les fondations déjà sont bien tracées.
Je suis pour la conciliation, pas pour la complication. La réalisation, dans le cadre de notre mission de service public, de notre centre de formation au permis de chasser, sur un site mis à disposition par la mairie de Vachas, sous l'impulsion de son maire, M. Gilles Foxonnet, a débuté le 3 janvier 2017. Monsieur le préfet, qui a assisté à notre conseil d'administration en décembre dernier, a été très sensible à la diffusion prochaine d'une formation sur la sécurité auprès de tous les responsables cynégétiques et de leurs adjoints, suivie, pour ceux qui le souhaiteront, d'une formation au premier secours. Prudence et courtoisie dans vos actions de chasse contribueront également à vous faire passer de beaux moments dans la nature et à renforcer notre image. Je puis vous assurer que je serai très vigilant quant aux règles de fusion entre la Fédération régionale de chasse Languedoc-Roussillon et la Fédération régionale de chasse Midi-Pyrénées. Madame Malherbe, vous vous êtes également montrée vigilante lors d'un de vos récents discours sur un futur éventuel centralisme de métropole éloignée. Je suis dans le même état d'esprit, car je pense que l'échelon de proximité départementale est un rempart au délitement de notre cohésion sociale. Je profite de cette occasion pour vous renouveler les remerciements de l'ensemble des chasseurs du département pour le partenariat indéfectible que vous maintenez au monde cynégétique départemental. Pour conclure, je suis heureux et fier de vous annoncer que dans notre logique citoyenne, humaniste et solidaire, nous avons déposé la semaine dernière un chèque de 5 000 euros établi à l'ordre de l'AFM Téléthon, délégation des Pyrénées-Orientales. Je tiens à remercier notre ami René Capdepont pour son aide toujours aussi précieuse. J'aurai l'occasion de revenir en détail sur cette opération lors de notre Assemblée Générale et de remercier, comme il se doit, toutes les ACA participantes. Voici tracée la route sur laquelle nous allons cheminer ensemble, avec l'aide de notre administratrice, et de sa garde rapprochée constituée d'anciens et nouveaux administrateurs. Je voulais vous dire que j'apprécie votre action et votre sens de l'engagement. Je voudrais à cet instant évoquer les personnels de la Fédération qui œuvrent au quotidien à mes côtés. Mesdames, Messieurs, je puis vous assurer, nous disposons avec le Conseil d'administration d'un personnel qualifié dont les qualités et les capacités en matière de gestion des espèces et d'expertise environnementale ne sont plus à démontrer. Merci encore de votre présence, j'y suis extrêmement sensible. Recevez mes amitiés et mes vœux les plus sincères pour une année 2017 solidaire et sereine.